Sur les plans larges de Jean-Jacques Amsalem, il y a des espaces de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindane. Hors jeu pour Pironi, pas pour Dindane. Exceptionnel, Haroun Dindane. Ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Ce match a totalement basculé. Il n'est peut-être pas terminé. Passif de Pironi. Ouais, exactement, mais regardez la passe décisive de la part de Rougnier. Il met tout ce qu'il a en cette fin de match. Une cacahuète en l'air. Ensuite, qu'est-ce que c'est bien. Il se retourne, Dindane, il en profite. Il résiste et après en déséquilibre d'une pichenette du bout du pied, il lobe le gardien stéphanois Jérémy Jeannot. Ouais. Il résiste encore au contact avec les défenseurs, ça vient lécher le dessous de la barre transversale. Mais que cette action au niveau arbitral est très 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 particulière. Regardez, effectivement Dindane joue le ballon, le joueur Lensois Pironi ne le joue.